Il y en a un qui connaît moi par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à mon passé en tant que mannequin, motimis. Je me représente Maurice deux fois à, à l'international. Première fois en 2016 où je suis allée à Miss Supranational. Euh, je suis aussi 16e sur à peu près 100 filles. Et euh, j'ai gagné le titre de Miss Afrique pour Maurice. Elle est là en 2017. On m'a approché pour refaire notre concours, donc j'ai fait Miss Universe Mon richesse. Et du coup, ben, j'ai gagné de l'aménage à Las Vegas pour Maurice, une partie par Miss Universe. Et à la base, moi, j'ai un degré en communication, public relations et marketing. Mon travail, depuis janvier, dans le l'immobilier, le real estate, et aussi je me consacrer fermement à faire en tant qu'ambassadrice pour Banmok, le social media. Comment je commence le GTA C'était comme tu disais, tiens mon Et euh, je me commençais avec ban de premier GTA, sur la... PlayStation, sur PlayStation, Vice City en premier, et puis San Andreas.

en général, là, une petite fille ne peut pas vous dire, hein, mais comment dire, euh, prends le taux un prostituée. <laughs> Après, elle est là, whatever happened, c'est d'accord, ne nous pas trop d'en Et puis, quand il y allait, moi, c'était un truc qui me dit content faire. Et peut-être, je me trouve ça c'est bizarre, mais bon, c'était mon truc, quoi. Comment tu fais là, sortir dans l'autre-là, me je me je me je moi, allez, c'était mon ma... truc, quoi, me ma mari qu'on t'en feras. Fait, et jusqu'à présent, dans GTA, enfin, j'étais une mariée évolué à celle-là, une... au fait, online, LinkedIn, une... extrêmement réaliste, extrêmement réaliste. Mais euh... je tous les story modes. Moi, j'adorais le story mode. Et puis, finalement <t> dans une période, que... Comme... quand j'étais à l'université, je me suis élevé à 4h du matin pour travailler avec mon camarade aux États-Unis. Euh, je passais trois quarts de mon temps à jouer online, comme je dis, surtout GTA. Parce que GTA, c'est vraiment comme si le moyen de faire tous les pays se connecter. Comme maintenant, il y a PUBG. GTA, c'était parmi les premiers, on va dire. Le premier vraiment game où les gens se retrouvaient, pouvaient jouer online et faire des équipes, aller se battre contre d'autres équipes. C'était vraiment un truc. Pour moi, c'était un affaire qui impressionnant. Et vu qu'il m'a aussi un peu pas une mais verte, mais me suis contente de sa case, the game la case. C'était un moyen rien de besoin de dimun the game. Euh... En gros, comme si me normal l'équipe camarade qui était aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on se retrouvait euh, à une heure chaque jour et nous, tu peux aller, ne tu peux faire, ne tu peux aller, nous, tu peux faire... nous avec nous physiques dans GTA. Tu bizarre plus 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 level la fort, plus nous gagnons plus beaucoup d'argent. Par exemple un appartement mon ban de plus beaucoup d'hommes Donc vu que dans une communauté dans des de moon qui assez euh high level dans GTA, mais tu connais que ça va impaiser de l'argent. Donc me tu peux aller haban un placement, moi récupérer maximum l'argent et en fait tu peux gagner beaucoup d'argent et grâce à ça me peux acheter un appartement. Euh, L'auto, et c'était vraiment un monde. En fait, c'est un monde dans lequel on vit en dehors de la vie réelle. Le moment m'a commencé quand, comme si je pouvais projeter ce que j'avais envie d'être dans la vie réelle, mais dans un jeu vidéo, parce en fait, que c'est un peu compliqué. <laughs> Quelque part, comme si de pouvoir s'habiller en, en militaire, euh, prendre physiquement son cimet, comment dire, comment dire, mon arasou là, mais de balle, on va quand faire en vrai. Mais <laughs> moi, je faire online et c'était marre fun. Et des fois, on a envie, même comme si, quand on regarde des, des séries aujourd'hui, comme par exemple Queen of the South, mais même dans GTA, comme s'il y a des trucs genre un peu, <laughs> ils vendent de la drogue, tout ça. <laughs> c'est des trucs qu'on ne va pas faire en vraie vie, mais qu'on peut faire online et c'est fun, quoi. Euh, je ne connais pas grand monde qui joue aux jeux vidéo, enfin pas beaucoup de filles qui jouent aux jeux vidéo. Euh, j'ai dû me faire une ou deux amies à l'étranger en jouant online. Là aussi, ce n'est pas des filles avec qui j'ai gardé contact parce que bon, euh... parce que moi aussi, comme si c'était là, je me n'arrête autant de jouer comme avant. Mais sinon, non, c'est que des garçons. C'est comme je disais, euh, j'ai grandi dans les cybercafés, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis petite, j'ai tous les jeux vidéo que vous pouvez imaginer et il n'y a toujours que des garçons avec moi. Peut-être le seul jeu que j'ai dû jouer avec des filles, peut-être c'était Ken, si c'était pas online, mais euh, c'était plutôt comme si, quand on était ensemble. À jouer Tekken avec mes cousins, ma cousine, tout comme ça, mais pas à GTA vraiment. Ça, j'ai jamais vraiment eu d'armée filles qui joue à GTA. À Maurice, je pense que, par exemple, je vois qu'il y a énormément de jeunes qui deviennent des professional gamers. Et Maurice tu commence à donner un peu comme si l'opportunité aux jeunes de devenir des professionnels gamers et de les envoyer comme un peu comme. C'est comme un sport en fait. Ok, on, on ne fait pas genre du sport en, temps, en termes d'exercice, mais uh, c'est vraiment comme si une, un truc où il faut être doué pour pouvoir arriver à le faire et. Vous pensez que le gouvernement devrait donner un peu plus d'opportunités aux jeunes de pouvoir s'exprimer dans les jeux vidéo parce qu'il y a tellement de jeunes qui sont forts essayé de jouer. Mon petit frère par exemple, il a joué à Fortnite, il a gagné un tournoi Maurice de Fortnite, il a joué à l'international, il a payé à l'international, mais pour dire qu'il y a beaucoup, marre beaucoup de jeunes, qui vivent dans et une bande professionnelle comme aux États-Unis, et une bande gamers qui est professionnelle, games de vie comme même ils ont des YouTube channels, ils gagnent leur vie comme ça, et on devrait donner un peu plus cette opportunité là ici quoi. Si c'était GTA ouais. <laughs> en fait GTA est devenu tellement évolué maintenant, comme si c'est comme la vie réelle quoi. En gros on peut être ce qu'on veut être dans GTA. C'est plus comme avant où c'était juste comme si aller faire une mission devenir euh, man camarade, chill, hang, non. Maintenant, c'est carrément, on peut devenir un mobster, on peut devenir, euh, je sais pas moi, premier ministre, on peut devenir euh, euh, docteur, whatever, comme si, ouais, why not? Si tu a l'occasion, ouais, j'aurais fait que ça.